OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériel biomédical, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez Acadé Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Dimanche 9 janvier 2022, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre web JT hebdomadaire. Et voici pour vous les titres. Un front s'ouvre contre la prolongation de la transition pour 5 ans, au même moment où la CEDEAO est en discussion avec le gouvernement malien. Les explications dans votre journal. Le thé, une boisson très consommée dans notre pays malgré les risques que porte sa consommation abusive. Les détails dans un instant. Des polémiques autour de la vente de Orange Money. Les distributeurs donnent leur version à travers le porte-parole que vous trouverez dans notre JT. Encore une fois de plus, bienvenue. Le mercredi 5 janvier 2022, conférence de presse unitaire de plusieurs partis politiques, de personnalités indépendantes et regroupements dont le cadre d'échange ou encore le CDR pour dire non au chronogramme dévoilé à la CEDEAO par nos autorités, qui est de 5 ans encore pour la transition. Ils ont décidé de mener des actions dans l'avenir. Les explications avec Mamadou Bilal Koulibaly. Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO à Koulouba, pour dire au président de la transition que les 5 années proposées ne passent pas. Au même moment, au siège du Parrainat, une conférence de presse unitaire de plusieurs regroupements et partis politiques qui disent la même chose, mais de façon moins diplomatique. Le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie, avec à ses côtés le CDR de Rasbach et l'ACRT de Issa Kaoudjim pour rejeter le chronogramme proposé par les autorités de la transition. Depuis juin 2021, toute l'énergie et d'importantes ressources de l'État ont été consacrées à la préparation et à la tenue des assises nationales dites de la refondation. Au lendemain de la clôture des dites assises, les masques sont enfin tombés. La junte au pouvoir a produit un chronogramme électoral qui, s'il est accepté, le permettra de confisquer le pouvoir pendant 5 prochaines années. Ces assises étaient donc inopportunes. Elles ont été un immense gâchis. Elles n'étaient pas inclusives. Leurs conclusions ne sont donc ni consensuelles, ni légitimes. Elles ne sauraient donc s'imposer. Nous les rejetons. Nous rejetons également le chronogramme sorti des assises parce qu'il porte atteinte aux principes élémentaires de la démocratie et au droit du peuple malien de choisir librement ses dirigeants. Après les assises nationales de la refondation, les autorités nationales se sont dépêchées en envoyant un chronogramme à la CEDEAO de 5 années. S'ils sont applaudis par certains pour cela, certains partis politiques ne le voient pas de cet œil. Vous savez, dans cette déclaration, nous avons dit qu'ils ont violé plus d'une fois. Et en catimini, ils sont allés à Accra. Ce n'était pas la première fois. Parce que rappelez-vous, le 7 novembre également, c'est d'Accra que nous avons appris qu'une lettre est envoyée au président de la CEDEAO pour dire que, bon, nous, autorités maliennes, en réalité, on ne peut pas organiser les élections en février. Mais le peuple malien n'en a pas été informé. En réalité, on est surpris, mais à demi. Parce que dès le début, dès qu'ils ont commencé à parler de ces fameuses assises, nous avons dit, attention, ces gens-là, ils sont venus par la rue, ils veulent s'imposer par la ruse, qui a mille facettes, dont une des facettes, c'est l'organisation de ces fameuses assises. C'est pour la prolongation de la transition. Donc, en réalité, les gens ne sont pas surpris. La surprise, c'est qu'ils ont poussé l'irresponsabilité jusqu'à proposer 5 ans de transition. Et effectivement, quand on voit des personnalités qui ont de l'expérience internationale comme le ministre des Affaires étrangères, oser porter un tel message, bon, c'est très décevant. Le jeu est clair, hein, que la Terre Roshi, candidat pour le sang fait, mais à tout ce qu'a fait, qu'a passé, il faut d'abord commencer à affaiblir certains
baliser les terrains et entre temps ça va être ici et Chogal va se retrouver ça. Même les visions et concessions proposées de nous. Il faut vous attendre qu'on va créer le poste de vice-président là-dedans. Il faut vous attendre à tout ça. Vous savez quand le vice-président possible doit courir. Quand Hachim Koué et un autre président de vos cancers là-bas, on va démissionner mes mandats là-bas. Ce dimanche 9 janvier 2022 à Accra se tient au même moment un sommet extraordinaire de l'UEMOA et de la CEDEAO, tous les deux sur le Mali. Si la veille, le gouvernement malien a fait d'autres propositions qui seraient de 24 mois, rien n'est encore officiel et les yeux sont tournés vers Accra. Plusieurs préavis sur les tables de négociation ou encore l'exécution des mots d'ordre de grève. Ça se bouscule entre le gouvernement et certains de ses partenaires sociaux, de la synergie des syndicats des enseignants, en passant par la plateforme des syndicats des médecins du Mali. Pour comprendre cette situation qui pourrait être les prémices d'une nouvelle grogne sociale, écoutons ce récit de Nana Khadija Koni. De plus en plus, les préavis de grève sont posés sur la table. Depuis le mardi 4 janvier 2022, la synergie des syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016 a entamé une nouvelle grève de 5 jours. Les syndicalistes exigent l'application de l'article de la loi numéro 018-007 du janvier 2018 de statut du personnel enseignant. Chose qui permettra aux enseignants de bénéficier de toute majoration de salaire accordée aux autres fonctionnaires du statut général. Suite à cette grève, les établissements publics du fondamental et secondaire sont paralysés. Selon M. Almoudou, les négociations avec le gouvernement n'ont pas abouti. La grève, quand même, elle fait suite au préavis de grève que nous avons déposé le 13 décembre sur la table du ministre du Travail et de la Fonction publique, dans lequel nous demandons l'application stricte de l'article 39 du statut du personnel enseignant. Nous avons fait 4 séances de conciliation, notamment le 28 décembre, le 28 et 31 décembre, ainsi le 4, le 3, je veux dire, le 3 et le 5 janvier 2022. Toutes ces conciliations sont le départ d'un échec. Un échec parce que le gouvernement a exclu toute discussion sur le gris, préférant s'inscrire dans l'octroi ou bien l'amélioration d'une prime qui existe déjà, qu'on appelle la prime spéciale de responsabilité, que le gouvernement s'est proposé de majorer de 10% et a fait une autre proposition de 15%. Il n'y a pas que les enseignants qui sont en tractation, mais les médecins aussi en font partie. La plateforme des syndicats de la santé du Mali a annoncé dans un communiqué du 3 janvier 2022 un préavis de grève de 3 jours à compter du 17 au 20 janvier 2022, suivi d'une autre grève de 5 jours du 31 janvier au 4 février. Si toutefois leurs doléances ne sont pas satisfaites, ils risquent de reconduire cette grève d'une manière illimitée. Beaucoup de gens ont été appelés pour discuter de certains sujets. Mais le syndicat des médecins, la plateforme des syndicats de la santé, composée de la FESISAM, qui aussi en son sein a d'autres syndicats, nous n'avons pas été appelés pour échanger par rapport à certains sujets sensibles du secteur de la santé. Donc nous avons travaillé à un moment donné avec notre département, c'est le lieu de le dire. Nous avons travaillé à un moment donné avec notre département, mais les discussions se sont brisées, ça il faut le dire. C'est un document tout court des agents de santé. Et je ne crois pas à l'heure actuelle qu'un agent de santé, à moins que tu n'aies un autre calendrier caché, un autre agenda caché, que tu puisses être opposé à quoi que ce soit par rapport au contenu de ce statut. Nous l'avons travaillé, nous l'avons fait pour vraiment apporter du bonheur, que du bonheur, à l'ensemble des agents de santé. Après la signature d'un PV en 2018 avec le gouvernement, puis en 2020, pour l'amélioration des conditions de vie des agents de la santé, ces derniers disent ne pas vouloir aller en grève, mais ils déclarent qu'ils ont été poussés dans ce sens. De l'autre côté des enseignants, ils exigent tout d'abord l'application des lois et l'aménagement de leur grille, qui leur permettra d'être au même pied d'égalité que les autres fonctionnaires. Est-ce le début d'une nouvelle grogne sociale? Le temps nous le dira. Consommé par beaucoup de personnes au Mali, vu comme un moyen rassembleur, le thé vert est une boisson qui fait partie de notre quotidien. Certes, bienfaiteur, mais il a aussi des effets sur notre santé. Suivons l'élément de Assetou Founé Samaké pour en savoir davantage.
Le thé vert est une boisson très convoitée au Mali. Jeunes, hommes, femmes et vieilles personnes, la majorité la consomme et chacun a ses raisons pour ce choix. Le thé, c'est une source de motivation. Ça nous motive au bureau. Quand tu prends le thé même si tu n'as pas mangé souvent, c'est bon. Si pour certains c'est un moyen pour se détendre, d'autres pensent que c'est un moyen pour se retrouver et échanger dans les grains. Que la causerie aussi soit à hauteur de souhait, on prend du thé. Et en dehors même du grain, au bureau. Parce qu'il y a des gens qui ont Monsieur Konaté lui dit prendre le thé 6 fois par jour au risque de se sentir mal à l'aise toute la journée. Le thé à 6 fois. Du matin à midi, je prends première, deuxième. Je laisse. À 16h, première, deuxième. À 17h, première, deuxième. C'est fini. Quand je ne prends pas le thé, je vois mon corps là, c'est déjà. Je ne peux pas trop. Néanmoins, d'autres le prennent, mais n'y dépendent point. Paresse, hein? Ça me donne la paresse souvent. Mais quand je bois, vraiment, je suis un peu satisfait. Bon, ça ne me fait rien, franchement. Monsieur Sissoko est l'un des rares jeunes qui ne prend pas du thé. Et pour cause? Je ne sais pas, je suis allergique au thé. Même quand je sens l'odeur du thé seulement, ça me donne la nausée. Voilà, bon, depuis tout petit aussi, mon papa m'interdisait de prendre du thé. Donc j'ai grandi comme ça. Chaque fois que je suis au gré, tous mes amis prennent du thé, mais moi je ne prends pas. Même si le thé est une boisson bienfaisante, la façon dont elle est préparée par bon nombre de Maliens le font perdre ses vertus. Par ailleurs, sa consommation abusive peut causer des problèmes tels que l'insomnie, l'altération du rythme cardiaque, des désordres gastro-intestinaux et même des fausses couches chez la femme. Il est conseillé de ne pas dépasser 3 à 4 tasses de thé par jour pour sa propre santé. Des distributeurs de Orange Money se plaignent de leurs conditions de travail depuis un certain temps. Que se passerait-il? Nous sommes allés interviewer Lassana Fofana, porte-parole du collectif des distributeurs Mobile Money, pour connaître leur version de l'histoire. Il était au micro de Mamadou Bilali Koulibaly. Donc, on a poussé, c'est fou, le 1er décembre, on a eu Orange et Fred qui ont 1%. Et comme je suis là, je suis à 1%. Orange a wa fla fere ku drome bi wolon fla. A drome bi wolon fla la, orange ku me mindi en ma. A ti ale drome mo kambo. Ni a jete wa fla la, ni ko ki ba de poke, drome duru de bi dima. Na foro ki ki ga wa fla bara ke drome duru kama. Anya orange ko be ke orange no fe, car ça et les opérateurs. Anya ye commerce sharia beka. Mo mo be no bi bara glan, no e grossi si bay. O de ga soro ka dogo. Demi-groyala. Donc,
mais client yɛrɛ y'a faamu parce que client b'a dɔn terrain kan dugu mun bɛ nin nɔ parce que ni i banka fo ki be dɔ ka baarakɛ wari di a ma k'a fɔ ki be moto ta ki be taa yɔrɔ wɛrɛ i bɛna ye i be wari min don essence la ka taa i bɛna ye o yɛrɛ ka ca ni nin ye bon hali ni frais de service min filɛ n'a y'a sigi sen kan ten nin frais de service nin min mali kɔnɔ y'a mɛnna orange yɛrɛ fɔlɔ de ye nin daminɛ yan an y'a ye k'a fɔ fɔlɔ n'i tun be wari bɔ i ka compte la ka ci mɔgɔ wɛrɛ ka compte la i kun ti i tun be zuru fana ne sara mais an nana ye orange nana kɛ a be dɔrɔmɛ tan tigɛ i kun ka tila ka na bɔ dɔrɔmɛ tan na ka na a montant varie k'a daminɛ tanna ka taa bi saba ka taa bi duru fo kɛmɛw la an y'a ye orange yɛrɛ ye nin kɛwaleya in kɛ bon orange m'a kɛ dɔ wɛrɛ la a yɛrɛ be se ka matarafa baara in kɔnɔ cogo min na bon pourke anw fɛnɛ ka distributeurw ka matarafa baara in kɔnɔ anw fɛnɛ y'a laɲini ka frais de service in de da baara in kan an ye an ka frais de service an y'a ɲini an ka tɔnden bɛɛ fɛ ni i ma ɲɛ i bi frais de service kɛ i k'i jija an ka frais de service palier an y'a bɔ a nɔrɔlen ka k'i ka yɔrɔ la bon n'i b'a kɛ kiliyan o kiliyan na fɛnɛ i k'a fɔ kiliyan ye karisa ne bi baara kɛ nin hokumu de kɔnɔ donc n'i jɛra n'a ye ne b'i ka baara kɛ n'i ma jɛ n'a ye yɔrɔ wɛrɛw be yen nɔ i bi taa ka t'i ka baara kɛ ye donc an ye baara in daminɛ o togo la bon sariya yɛrɛ taga bolo kan an y'a ye ɲangini yɔrɔ foyi tɛ anw na parce que an b'a fɔ kiliyan ye fɔlɔ ni kiliyan jɛra n'a ye an be sɔrɔ ka baara kɛ mais komi an ni opérateur min be ɲɔgɔn na opérateur in a fɛɛrɛ ka bon an nana u y'an ka pisi minnu bloke an nana baara bila dɔ de boloda donc ka point de presse dɔ kɛ point de presse in an y'a kɛ le 19 donc an ka point de presse in kɛnɛ kan afishi caman kun bɛ an ka whatsapp groupe sanfɛ donc an ye afishi ninnu ta ka baara kɛ n'u ye donc afishi ninnu kan a b'a kan ko distributeurw bena taa grève la bon an nana ye afishi kelen yɛrɛ yira anw ka afishiw bɛɛ lajɛlen cɛ la o afishi nana cɛ ɲa ni anw ka afishi bɛɛ ye donc o cɛ ɲa ni anw ka afishi bɛɛ an y'a ye a ka ɲi bon an fɛnɛ ma a bɔyɔrɔ ɲini an sena k'o ta ka o afishi kɛ k'an ka grève lanse bon an be bɔ min kala ma dɔrɔn o dugusɛjɛ n'o kɛra le 20 lundi 20 décembre an y'a ye u taara an ka ɲɛmɔgɔ fila minɛ kelen k'an ka ɲɛmɔgɔ fila minɛ an taara n ko an m'a faamuya donc polisiw ko an ma ko a ko plainte min don nin bɛ ko orange de plainte don an ka mɔgɔw contre la ko parce que ko an ye olu ka loko utilise ko ko olu yɛrɛ ka kuma olu nɔ na ka olu yɛrɛ ka mɔgɔw bila ka taa grève la Musa Dumbuya t'olu arrange olu taara baga Musa Dumbuya ma k'a minɛ ka bɔ a ka denbaya la k'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔ ko don ko in ti mɔgɔ ko ye nin ye an bɛ taa de ni kunkolo dɔ bɔra yen kunkolo wɛrɛ bɛ na ni kunkolo dɔ bɔra yen kunkolo wɛrɛ bɛ na an ka nin kɛlɛ in n'an ma nin kɛ tan mɔgɔ 90,000 de filɛ sisan o de bɛ baara kɛ orange money kɔnɔ bon o mɔgɔ 90,000 n'i k'o ma k'o bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ 1% kɔnɔ 1% kɔnɔ n'a tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ a t'i n'a fɔ 1% bɛ di distributeur ma o tɛ dɛ misaliya la n'i ye 1,000 ci 1,000 fɛrɛ dɔrɔmɛ tan dɔrɔmɛ fila o de bɛ di baarakɛla ma est-ce que baarakɛla bɛ se k'a ka 1,000 baara dɔrɔmɛ fila kama k'a fɔ k'a b'a ka denbaya balo la k'a ka musaka sɔrɔ o la o sɔrɔ man di o la donc hokumu kɔnɔ an kɔni bɛ fɛ orange ka segin a kɔ ani anw tɛ kɛlɛkɛɲɔgɔn ma ye a ka taa a ka plainte retirer u ka segin raison na parce que a bɛ komi u ye arrêt bila dɔɔnin quoi u ka segin raison na u k'a dɔn k'a fɔ u moteurs de ye anw distributeurs ye. À présent, place à l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la compilation de Mamadou Bilali Koulibaly. Déjà 9 mois de captivité pour Olivier Dubois. Le journaliste français a été enlevé par les GSIM de Yad Agali le 8 avril 2020. S'il est apparu dans une vidéo pour l'attester quelques jours après, par contre, jusqu'ici, rien sur sa possible libération. Les autorités françaises et maliennes disent mettre tout en œuvre pour sa libération dans les plus brefs délais. Au Nigeria, 140 civils ont été tués par des bandits à moto entre mercredi 5 et jeudi 6 janvier 2022 dans l'état des Zamfara. Un véritable massacre des bandits armés qui ont fait irruption dans une dizaine de villages en tirant à vue sur les habitants, en pillant près de 2000 têtes de bétail et en incendiant des habitations. La Coupe d'Afrique des Nations, après plusieurs jours de suspense, d'obstacles, y compris le report, a débuté aujourd'hui 9 janvier 2022 au Cameroun, avec les premières confrontations du premier groupe, Cameroun-Burkina et Cap-Vert-Éthiopie. Quant au Mali, les Aigles joueront contre la Tunisie le 12 janvier prochain à partir de 13h GMT. L'acteur afro-américain Sidney Poitier est mort ce 7 janvier 2022 à l'âge de 94 ans.
Il a contribué à faire tomber les barrières raciales aux États-Unis dans les années 60, en devenant le premier Afro-Américain à avoir l'Oscar du meilleur acteur en 1964 et un Oscar d'honneur en 2002. Ainsi prend fin ce web JT hebdomadaire que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Une très bonne suite de programmes sur Actuel Média. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.